Est-ce que tu vois cette sphère géante? Eh ben c'est là qu'on va survivre. Non, non, c'est pas une blague. En plus, regarde, à l'intérieur, il y a plein de salles au trésor et même un lac souterrain. Tu veux découvrir tout ça avec moi? Eh ben reste jusqu'à la fin. Yo, c'est le capitaine, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour survivre sur une sphère géante. Tu vas kiffer, fais-moi plaisir. Si la vidéo te plaît, je t'invite à t'abonner et activer la cloche. C'est très important. Et bien sûr, reste jusqu'à la fin. C'est parti. Allez, c'est parti pour une nouvelle aventure sur une sphère géante. En vrai, c'est tellement grand que même là, on a l'impression de pas être sur une sphère. Mais en vrai, c'est le cas. Donc, on commence avec un coffre ici, avec deux ultras et plein de fusées. Super. Comme ça, regarde, on va pouvoir faire un tour justement. Je vais pouvoir te montrer qu'on est bien sur une sphère. Donc, regarde, hop, là, regarde. En fait, c'est tellement grand. Regarde, voilà, faut vraiment s'éloigner pour se rendre compte qu'on est sur une sphère. T'as vu, regarde. Et là, il y a même un village et tout. C'est trop bien. Donc, c'est là qu'on va survivre. Je sais pas exactement où est-ce qu'on va commencer la survie. Je pense par ici, là, tout en haut. Symboliquement, on va se mettre là. Voilà, on va atterrir en douceur. Et ça commence la survie là. Let's go. Donc, on a énormément de trucs. C'est incroyable. On va commencer, écoute, par tout simplement prendre du bois, hein, je pense que c'est pas une bonne idée dans cet univers de géant, parce que là, clairement, on a l'impression d'être tout petit dans cette sphère géante, c'est trop marrant. Prendre du bois tranquillement, et on va commencer la partie survie. Donc, tu connais la survie, l'objectif numéro 1 aujourd'hui, ça va être, bien évidemment, un champ. T'en fais pas, j'ai vu un village, il avait l'air d'avoir du blé. Donc, table craft, je pose ça ici. Bon, on a des élytras pour se déplacer, mais on va surtout essayer d'économiser les élytras. Parce qu'en vrai, elles sont incassables, je crois. Parce qu'elles sont... Enfin, elles sont un breaking 1000. Mais au niveau des fusées, on est limité, pour le moment. Donc, c'est parti, quelques petits outils pour commencer. Alors, la pioche, la hache, bien sûr. Bien évidemment, j'ai envie de te dire. Alors, 2 et 3, il y a un cochon. Est-ce qu'on tue les mobs qu'on trouve ici? Bonne question, hein. Bon, allez, la sphère a l'air géante. J'allais dire l'île, mais la sphère a l'air géante. On va donc se servir. On va se faire plaisir, les potes. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc plein d'arbres, c'est géant, c'est incroyable. Donc là, on a carrément un petit tour de train-train. Ou alors c'est un reste de train, parce que là, j'avais vu un minecart pas loin d'ici. Je crois qu'il y a moyen de faire un petit tour du propriétaire, regarde. Alors je regarde ce que j'avais vu, un train ou un truc comme ça, un système de train. C'est tellement géant. Waouh, c'est incroyable, franchement. Bon, on va rester les pieds sur la terre ferme, je puis dire. Et on va se concentrer sur l'environnement qu'on a ici. Pour le moment, ici, il y a du sable, ça vient de trouver un petit peu de pierre. C'est la survie la plus folle qu'on ait jamais faite. Honnêtement, la map est incroyable. Ah oui, je t'ai pas dit, en bas, il y a aussi des structures à explorer. Il y a plein de spawners. J'ai regardé un peu vite fait, il y a plein de spawners. C'est un peu des zones de boss, en fait, où il y a tellement de mobs. Avec des coffres, avec des giga items dedans. Enfin, c'est incroyable. Ah, de la pierre un petit peu. Même une vache. Ok, bah écoute, on dit, hein. Petit peu de cuir, ça servira. Bah écoute, on va prendre le caillou. Donc là, c'est carrément un ancien escalier, en fait. Ah ouais. On dirait que, tu vois, c'était une sphère qui avait une ville ici. Et que tout a été cassé avec le temps. Il y a vraiment, on dirait qu'il y a une histoire dans cette map. C'est incroyable. Et là, tu vois, il y avait des escaliers pour descendre dans la sphère, simplement. C'est incroyable. Bon, on va casser un petit peu l'escalier parce que pour l'instant, j'ai pas accès à d'autres matériaux. J'aurais bien laissé l'escalier en place, mais je t'avoue, il n'y a pas d'autres pierres. Et on en a besoin quand même. On est là pour survivre avant tout. Donc on va faire passer la survie avant le côté esthétique. Voilà. Hop, c'est parti. On va poser ça là. Donc là, bien évidemment, on a de la pierre. On va donc améliorer nos outils, notamment hache et bon, les épées, du coup, parce que j'avais pas 3. On va fabriquer là juste après. 1, 2. Je vais prendre un peu pour la hache. Voilà, ça peut être sympathique. Mais la priorité va être de survivre. Je commence déjà à avoir faim. On va essayer de mettre ça au four, je pense. On va casser le reste de l'escalier et mettre ça au four. Parfait. On va déjà se fabriquer une hache. Ça peut être sympatoche, je pense. Hop. Petite hache. Allez, petite pelle. Soyons fous. En vrai, on sait pas combien de temps ça va prendre de trouver du fer. Il y a des mines. Il y a du fer. Il y a du diamant même. Donc, c'est 100% compatible avec la survie. Donc, il n'y a pas de souci à se faire de ce point de vue-là. Il n'y a pas à s'inquiéter, les potes. On pourra parfaitement survivre sur cette map. C'est parfaitement fabriqué pour. Enfin, conçu pour. Donc, il n'y a pas de problème. On va fabriquer ici un petit four. Et on va mettre nos steaks, hein. Parce que j'ai faim, ouais, j'ai faim. On va mettre des planches, écoute, pour l'instant, c'est solution de secours. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, il y a des petites zones comme ça, tu vois. Est-ce qu'on peut avoir accès à du caillou ou est-ce que c'est beaucoup trop tôt? Je pense que c'est beaucoup trop tôt encore. En fait, la sphère est tellement géante. Ouais, je pense que c'est trop tôt. En fait, il faut vraiment descendre au niveau de la sphère pour accéder à la pierre. C'est incroyable. On dirait un véritable environnement. Je sais pas encore. Attends, faut que je jette ça parce que j'ai récupéré ça. Je ne sais pas encore où est-ce qu'on va installer notre base. Hein. Je t'avoue, c'est tellement géant. Je ne sais pas du tout. Soit tout en haut de la sphère, ça peut être fun. Soit au centre de la sphère parce qu'il y a aussi des structures au milieu. Il y a des mines, il y a un labyrinthe. De mine, un vrai labyrinthe, hein. C'est vraiment stylé. Ok, j'ai des steaks ici, je vais mettre le reste des steaks ici, on sait jamais, ça peut toujours servir. Je vais avoir assez faim assez rapidement, je pense. D'ailleurs, vu qu'on a pas mal accès à de la bouffe, on va fabriquer des fours rapides à nourriture. Ça me paraît une bonne idée. Donc là, on va casser le maximum d'arbres possible. Donc voilà, comme je t'ai dit, je ne sais pas encore où on s'installe. Déjà, on va essayer de survivre et puis après, on choisira l'endroit pour la base. Ok, j'ai un stack de bois, c'est un bon départ. Je vais juste prendre un peu plus de bois pour les fours rapides. Je vais en prendre 8 de plus parce qu'il faut 8 pour deux fours, tout simplement, c'est 4 par four. Voilà. Et puis, on va continuer d'explorer un petit peu tout ça. Donc là, on a accès déjà à de la bouffe. Merci.
merci beaucoup à nos amis les vaches et les moutons. Hop, et même, disons merci aussi, voilà, à ça et aux poulets. Et avec ça, on va fabriquer, comme je te disais, alors j'ai pas assez de cailloux, mais ça tombe bien, il y en a à côté. On va fabriquer des fours rapides, ce sera bien plus efficace. Voilà, et c'est une solution de secours en attendant, bien sûr, qu'on trouve de quoi planter un petit champ. D'ailleurs, les élytras, c'est pas super pratique tout le temps, je vais les enlever parce qu'en vrai, des fois, c'est pas pratique. Je vais mettre ça là, et je vais fabriquer, comme je te disais, un petit four rapide, voilà, qui servira toujours. Et tu sais quoi, soyons fous, allez, deux fours rapides. J'aime bien fabriquer les fours par paire, je trouve ça plus logique. C'est une habitude, hein, ça change pas grand chose en vérité. Hop, voilà, parfait. Et là, c'est bon, ok, on a un petit peu de bouffe de réserve, un petit peu, les potes, hein. C'est pas des énormes réserves de bouffe, donc va falloir faire attention avec ça. Bon, je vais remettre les élytras quand il s'agit de planer un petit peu. On va essayer de descendre tranquillement. Comme je t'ai dit, pour l'instant, c'est la partie survie, donc je regarde juste comment cette sphère est fabriquée. Il semblerait qu'il y ait. Oh, il semblerait qu'il y ait des. Que la sphère a été cassée en fait, tu vois, il y a des craquelures, c'est comme s'il y avait de la TNT qui a explosé ici. On a l'impression qu'une partie de la sphère a été cassée. Oh, il y a du fer, excellent. Attends, mais il y a des gigagaleries en fait, c'est trop bien, c'est full compatible avec de la survie, c'est génial. Je prends un petit peu de cailloux, on sait jamais, ça peut toujours servir. Alors, le reste du bois en bois, voilà, le reste de ça en ça, ça j'en veux pas. Enfin, le reste du ça en ça, tu m'as compris. On va essayer d'aller voir ici les copains, les zombies. Alors, les potes zombies, vous êtes sympas, mes flemmes. À moins que tu donnes des pommes de terre, frère. Tu donnes des pommes de terre, non, pas encore. Bon, il y a du fer, excellente nouvelle, on a du fer très facilement dans cette giga sphère, c'est drôle. Non, pas pour le jeu de mots, mais parce que c'est cool qu'on en trouve assez vite du fer. Du fer, voilà, voilà, c'est même pas fait exprès, c'est pas fait exprès. Du fer dans cette sphère, voilà. Bon, au moins c'est drôle comme ça, écoute, hein. C'est pas fait exprès, c'est spontané. Zombie, tu vois pas que je commente? Merci, respecte les youtubeurs qui commentent leurs vidéos, s'il te plaît, merci frérot. Alors, ici, on va prendre le charbon aussi. Ah, mais il y a tout en fait, il y a même de l'or. Alors, je crois qu'il y a énormément d'or dans cette sphère aujourd'hui, vraiment, semble-t-il. Il semblerait, parce que j'ai regardé un petit peu les mines, qu'il y ait énormément d'or. Ouais, c'est une certitude. Alors, copain creeper, j'ai besoin de toi pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est grâce à toi que je fabrique des feux d'artifice. Et ça, je vais en avoir besoin parce que c'est canne à sucre et poudre de creeper. Donc, s'il te plaît, voilà, ah, il a pas drop. Super frérot, je fais exprès de faire attention et tout. Je prends mon temps et tu drops pas. Non, mais bravo. Bravo quoi. Si on posait un petit peu des fours, moi, je suis pour. Je pense que ça peut être une bonne idée de mettre ça au four ici. Mais je pense aussi que ça peut être une excellente idée. Oui, passé ma table craft tout à l'heure, on l'a laissé sur place, c'est ça. Bon, allez, on a dû la laisser en haut, c'est pas grave. Allez, petit souvenir. T'inquiète pas, j'ai vu qu'il y avait. T'en fais pas. J'ai vu qu'il y avait en dessous de là, hop, du charbon. On va donc récupérer du charbon vite fait. On va se stuff full fer. Enfin, déjà au moins la pioche. Ça servira. Ça sera très utile d'avoir une bonne pioche. Voilà. Comme l'expression le dit d'ailleurs. Hop, ah, parfait. Ma pioche est là. Alors, c'est ça ici. Table craft, s'il te plaît, le jeu. Merci. Petite pioche toute neuve. C'est oui. Alors, ensuite, hop, plus de charbon. Pareil de l'autre côté. Ok, le fer arrive. C'est une excellente nouvelle. L'Enderman, est-ce qu'on peut le fight maintenant? Ça fait mal à l'Enderman quand même, hein. Allez, on tente. Normalement, à l'épée comme ça, ça passe. Ok, c'est bon. Il a drop. Il a pas drop. Ils sont tous radins aujourd'hui, hein. Franchement, merci, hein. Merci les frérots de nous aider dans l'aventure survie, en tout cas. J'ai pas dit que je voulais tuer le dragon tout de suite, mais quand même, quoi. Un petit coup de pouce. On prend l'or. Tellement d'or. Mais je sais pas. Enfin, l'or, ça sert pour la nésorite, d'accord. Mais pourquoi autant d'or, en fait? Bah, en vrai, il n'y a pas d'urgence sur l'or, je t'avoue, hein. Franchement, la nésorite, c'est pas tout de suite qu'on ira en chercher. Faudra d'abord aller dans le nether, dans un premier temps. Et c'est pas la nésorite que tu vas chercher en premier dans le nether, vu comment c'est rare. À mon avis, c'est clairement autre chose. On avait en vidéo la dernière fois à quel point, même avec un item cheaté, c'était pas simple. Alors franchement, bon écoute, je vais quand même prendre l'or ici. De toute façon, on aura un coffre aujourd'hui. Voilà, ça qui est beau, c'est qu'aujourd'hui, on est en aventure survie, donc on n'est pas obligé de trimballer nos affaires partout dans le jeu. On a le droit de poser un coffre et de s'installer quelque part. Je ne sais pas encore où on s'installe. Je pense tout en haut, parce qu'en haut, j'aime bien, tu vois, il y a un côté. Enfin, tout en bas, je vois pas l'intérêt. De toute façon, en bas, on peut pas, parce que bah, il n'y a pas de surface où habiter, à moins de vivre dans les cavernes. Et ça, franchement, non merci. On vit pas dans une sphère géante pour choisir les cavernes quand même, frérot. Hein. Est-ce qu'on fabriquait pas des fours rapides? Est-ce que c'est pas un petit peu tôt pour ça? En même temps, je me dis, vu la quantité de fer qu'il y a et les mines ici, ça peut être une bonne idée. Hein. Moi, je propose qu'on fasse ça. On va fabriquer. J'ai mis tout ma cobblestone. Non, attends, pas exagéré, frérot. Un four rapide, c'est 6. Voilà, c'est très bien ça. Un autre four ici qui servira encore une fois. D'ailleurs, où est passé tout le charbon? Où est passé le charbon? Oh, on en a pas tant que ça, hein. Ouais. Il y a plus d'or que de charbon. Non, mais c'est pas une blague, hein. C'est pas une blague. Tu te rends compte? J'ai jamais vu ça. Je sais même pas à quoi cet or va servir. En plus, il me semble, d'après la description de la map, que même les coffres vont être remplis d'or. Donc, il y a vraiment une inspiration. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y avait une ancienne civilisation qui vivait ici sur la sphère avant qu'on arrive, qui adorait l'or?
C'est possible, c'était peut-être une mine géante cette sphère en fait. Hein. Parce que tu verras qu'il n'y a pas qu'une sphère aujourd'hui, il y a une sphère géante, mais à côté il y a des îles volantes qui ne sont pas des sphères. Donc tu vas voir, l'environnement est incroyable. On ira faire un tour dans les autres îles. Hop, pourquoi pas juste après le minage d'ailleurs, on peut aller faire un tour. Comme ça je te montre un peu de comment est fabriqué l'environnement. Bon, moi je propose des fours rapides, des potes, on a déjà suffisamment de fer pour ça. Alors, on peut mettre ça ici, on peut récupérer ce qui arrive là, magnifique, mettre ça là-bas. Voilà, ça c'est ce que j'appelle de la synchronisation, c'est beau. Là il y a du fer qui arrive avec le fer qui arrive. On va fabriquer au moins quelques petits trucs, c'est-à-dire le plastron au minimum, on sait jamais, voilà. Ah oui, c'est vrai qu'on a les élytras. Ouais. Ah, du coup, plutôt le pantalon en fait, hein, parce que je t'avoue, le pantalon, l'avantage, contrairement au plastron, c'est qu'on peut le porter avec les élytras. L'un n'influence pas l'autre. Ça, je vais jeter, je regarde s'il n'y a rien de trop en trop ici. Parce que ça, c'est divisé en un milliard de morceaux, quoi. Déjà, ça prend de la place. Ok, et ici, ça arrive très bien. Ça arrive aussi. Très bien, on va pouvoir avoir notre premier four rapide immédiatement. Voilà, grâce à ces magnifiques travail. Alors, c'est bon. Ensuite, si on récupérait ça, attends, déjà, on va mettre ça là-dedans. C'est super rapide. Attends, ça aussi, on peut switcher là-bas en vrai. Et voilà. Ah, tellement plus agréable d'avoir un four rapide, franchement. Je vais prendre ce qu'il y a ici parce qu'en fait il y a des minerais au mur. Je suis en mode allez, on va pas les laisser au mur. Voilà, comme ça on sait qu'ils sont à nous. Ça fait plaisir. Bon, il y a encore des minerais un peu partout. Alors l'or, je pense qu'on va pas tout prendre l'or. Hein. Je t'avoue, c'est pas ce qui nous intéresse le plus là tout de suite. Là, je t'avoue, c'est pas la priorité number one aujourd'hui l'or. Surtout que c'est vraiment pour plus tard dans le jeu. La netherite, on a large le temps d'aller en rechercher depuis. Enfin, on aura large le temps de rechercher de l'or. Hein. Bon, juste celui-là peut-être, vas-y, qui est facile d'accès. On trouve des excuses, hein, ouais, clairement. Alors, est-ce que je peux avoir un deuxième four rapide? La réponse est oui. C'est magnifique. Hop, tu sais quoi, ça tombe bien, on a besoin d'un four rapide pour, attention, surprise. Alors, si j'arrive à crafter le truc, la surprise peut-être, oui. Et bah l'or en fait, regarde, j'ai de l'or qui traîne dans l'inventaire. Allez, on va mettre ça au four, ce sera toujours plus sympatoche. Ok, d'ailleurs on va pouvoir diviser, parce que tu remarques que dans ce four là, c'est bon, c'est disponible. Voilà, et là je peux récupérer ça, et je peux récupérer ça. Bon, le minage se passe très bien, même beaucoup mieux que ce que je pensais, on a trouvé énormément de ressources. Et ça c'est un vrai plaisir, on peut se le dire, voilà, on peut se le dire, c'est vraiment cool. Là il y a encore du fer par là. Super, c'est parti. Voilà, merci. Merci bien le jeu pour ce fer. Là, il y en a encore ici. On a encore. Je prends juste le fer pour l'instant, je t'avoue. En tout cas, on sait qu'il y a des galeries maintenant. Ça, c'est génial. On n'était pas sûr tout à l'heure. Enfin, en vrai, si. Parce qu'en vrai, j'avais déjà vu des galeries plus bas. Mais je sais pas qu'il y a des galeries aussi haut. C'est ça que je voulais dire. Dans la sphère. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Parfait, je vais casser ça ici. Voilà. Et là, c'est bon. Ok. Ok. C'est très bien. Bon. Il y a même du fer là. Ah, du fer ici. On prend tout le fer. Je crois qu'on a réussi à prendre presque tout le fer de la caverne. En vrai, franchement, on a géré. Ah, il y a un zonzon. Oh, il y a du fer là. Comme quoi, faut bien regarder au plafond. Tiens, zombie, ça va? Tu veux tester ma nouvelle armure, un petit zombie ou pas? Hop, merci pour tout ce fer. Et cet or qui servira beaucoup plus tard. Hein. Je vais rien fabriquer en or pour l'instant. Je ne vois absolument pas l'intérêt en vérité. Là, tout de suite, qu'est-ce qu'on fabrique? Le casque. Ah non, attends. Il y a des trucs plus prioritaires que ça. Je me rends compte que dans l'inventaire là, je dois te dire pourquoi est-ce qu'il y a ça et il y a ça qui n'est pas encore. Et même l'épée en fait. Mais oui, même l'épée. Voilà. Alors, hop, hop et hop. Allez, ça c'est en quatrième, ça c'est en troisième, ça c'est en premier. Ah, super. Bon, c'est bon. Le fer qui arrive là, on va fabriquer avec ça le petit casque des familles, et on est presque fait en vrai, hein, regarde, manque plus que les bottes. Ah, il y a du fer là-bas. Je t'ai vu, petit fer, on joue pas à cache-cache ici, je t'ai vu. Voilà, très bien, très très bien. En vrai, c'est cool, hein, franchement, ça c'est bon. Et ça, les bottes. Oh là là, c'est magnifique, on a tout le seul fer, regarde, oh là là. Et mais vos fers prêts en fait, parce que regarde, on a un fer de plus et c'est tout, voilà. Ok, est-ce que c'est pas du... Ah ouais, mince, il y avait encore... Ok, j'ai utilisé un charbon pour un truc de fer, c'est pas grave. C'est pas grave. Oh, il y a du fer derrière, parfait. Bon, on va récupérer tout ça. Voilà, comme je t'ai dit, c'est très cool qu'on ait eu accès à tout ça. Bon, allez, je prends l'or ici. Ça fait beaucoup d'or, hein. Ça fait beaucoup trop d'or, hein. On est clairement d'accord. Oh, squelette, c'est ça. Mais où ça? Ah, oh, salut frérot. Attaque de ninja, boum, boum, tu donnes des flèches. Ah, merci. J'aurais bien aimé un arc aussi, mais bon, pas frérot. Hein. Je vois qu'aujourd'hui, on est d'humeur un peu radine. Attends, j'ai remonté avec ça parce que j'ai un milliard de cobblestone. Alors, autant que ça serve. On est arrivé par là. Oui, on est arrivé par là. Il y a masse zombie parce qu'il doit faire nuit. Eh oui. Eh oui, forcément, il fait nuit. Alors. Bon, t'en fais pas, les creepers ne peuvent rien casser aujourd'hui. Donc là, on ne risque pas de casser la map. Alors, par contre, j'ai dit que les creepers. Attention. Ah, bon, c'est pas grave. En même temps, difficile de courir quant à ça. Ok, les potes. J'ai attendu qu'il fasse jour comme ça. Eh bien, on est tranquille. Pas plus mal. Alors, comment ça se présente? Il y a une très jolie vue en tout cas sur l'environnement. Je te disais, tu vois qu'il n'y a pas que des sphères. Tu vois en bas, c'est pas des sphères. Attends, on peut aller faire un tour si tu veux. J'ai dit qu'on faisait un tour après le minage. Prendre ça, je vais te montrer un petit peu ce qu'il y a. Donc là, ici, t'as une partie un petit peu arène.
Alors c'est du vide en bas. Là quoi, tu ne sais pas, là il y a du vide. Hein. Là il y a un lac, mais après il y a du vide. Donc là regarde, il y a une zone entière à explorer avec un village trop stylé. C'est tout est en ruine en fait. Hein. Là t'as aussi pareil un donjon un petit peu, un château fort. Là on a carrément, bah carrément un mini nether en fait. Et regarde, il y a plein de spawners. Hein. Regarde, il y a plein de spawners de blaze là. Donc là tu vois ici, il y aura du taf à faire hein, pour ce fight. Là ici, pareil, hein, des ruines un petit peu. On dirait une ancienne civilisation aussi, pareil. Et là tu vois, il y a plein d'îles flottantes qui ne sont pas une sphère. Là il y a la sphère où on est nous. Et là il y a plein d'îles flottantes, regarde, qui ne sont pas des sphères. Attends, mais c'est quoi ça? Waouh, non mais attends, mais c'est magnifique. Là il y a un truc plein de vitres et tout. Carrément une partie jungle ici. Non mais c'est du jamais vu. Là-bas il y a une partie désert. Regarde ça. Non franchement c'est une des maps les plus cool qu'on ait jamais vu. Et là regarde tous les champs qu'il y a. Attends, on va faire une mini pause ici pour récupérer les champs. Mais attends, mais c'est trop beau. Et là c'est du vide hein. Attends, mais il y a tout ça, j'ai même pas vu qu'il y avait tout ça. C'est quoi encore tout ça là? Donc là on a une partie champ qui est incroyablement stylée. Là on a une partie aqueduc carrément. C'est magnifique en vrai. Et là qu'est-ce que c'est ici? Qu'est-ce qu'il y a, un château? Ah ouais, un village, ok. Un village abandonné avec des spawners et tout. Attends, est-ce qu'il n'y a pas un petit coffre? Vite fait, on va regarder. Attends, il y a un spawner à creeper. Donc là, on a carrément une forge géante avec des blocs de fer partout. En vrai, on peut servir, on peut y aller quand on veut, il n'y a pas de règle. Hein. Il nous donne les élytras, donc on fait ce qu'on veut. Bon, on a les blocs de fer, les potes. Alors, attends, parce qu'il y a des creepers. J'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai que c'est un tout petit peu dangereux. Ah, faut pas que je casse le spawner à creeper en vrai. Ah, si je veux fermer les creepers pour les fusées. Non, 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 attends, on va pas se débarrasser de ça. Certainement pas. Étant donné que ça, c'est un spawner à creeper, comme je te disais, et qu'en fait, c'est trop important. Parce que je veux des creepers pour fabriquer des fusées. Il faut des creepers et de la canne à sucre. Il faut de la poudre de creeper. Non, mais c'est trop beau. Et là, il y en a quoi encore? Non, mais c'est incroyable. Alors, et là, derrière, il y a encore un biome. Non, mais attends, mais c'est du jamais vu. En fait, la sphère, finalement, c'est juste un truc. C'est trop mime, quoi, la sphère comparée au reste de la map, quoi. J'ai un petit peu faim. Tiens, d'ailleurs, dans cette gigaforge, parce qu'il y a carrément des enclumes, il y a carrément plein de fours. Oh là, non, attends, mais tout ce qu'ils ont ici, là, c'est incroyable. On va prendre l'enclume. On va se servir un petit peu. Écoute, on a le droit. Hein. Il y a même un golem. Là, il y a du charbon. Non, mais attends, mais c'est incroyable. On fait plein de ressources, les potes. Écoute, on en profite un petit peu. Je vais pas te mentir, on est bien là au terme de ressources. Il y avait carrément une forge à récupérer. Et waouh, non, mais la forge, on dirait la forge. Non, mais c'est trop stylé. On dirait la forge dans un film et tout. Il y a une table d'amélioration. Bon, ça, c'est facile à fabriquer. Tiens, dans les coffres, il y a des trucs dans les coffres ou pas? Mais voir. Ouais, il y a du charbon. Ok. Charbon de bois aussi, mais flemme pour le charbon de bois. Il y a du charbon classique, je prends. Non, mais c'est incroyable. Il y a du charbon dans les coffres. Regarde, c'est trop bien. Et là, on a un autre spawner à creeper. C'est passé dans une cage. Ah, c'est pas mal pour farmer ça. Je passe comme ça. Regarde, là, ils peuvent pas exploser à travers la grille. Oh là là, mais c'est du génie. Qui a inventé ça? C'est trop bien. Ok. Ce qui est droit, par contre, pour récupérer les loots, c'est le seul souci, quoi. Meurs ? Ok. Par contre, pour récupérer les loots, j'avoue, je sais pas trop comment on est censé faire, les potes. Tu t'approches ou. Ah, mais non, c'est pas possible. Attends, parce qu'il nous faut de la poudre, là. Il nous faut cette poudre. Faudrait un portique. Non, non. Ok, tu sais ce qu'il faudrait ? En fait, il faudrait. Bon, attends, on va remettre la grille en attendant. Mais il faudrait un portique, tu sais, qu'on puisse ouvrir, fermer. C'est comme pour les mobs. Et comme ça, tu y vas quand tu veux. En vrai, ce serait mieux. Attends, il y a un petit filon de charbon, là, quand même. Je vais le prendre. On va retourner sur notre sphère. T'en fais pas. C'était juste pour montrer un petit peu. Je pensais pas qu'on s'arrêterait en chemin, mais. J'avais dit qu'on découvrirait un petit peu, j'ai vu qu'il y avait un environnement assez cool. Donc écoute, on s'est fait plaisir. Surtout que comme tu peux le voir, et bah c'est giga généreux. Attends, il y a des blocs de fer là. Blocs de fer ça? Ah oui, ok. Alors j'ai bien éclairé le spawner, vraiment là c'est bon. On va reboucher ici parce que c'était bouché, on sait jamais. Je veux pas que les creepers spawn là, on sait jamais. Ok, là c'est bon. Hop, là c'est bon. Il y a encore un creeper. Ok, bah on a un petit peu de gunpowder, ça c'est génial. En vrai, c'est trop cool d'avoir mis des creepers. Je sais pas si c'était fait exprès pour les élytras, mais en tout cas, si c'est pas fait exprès, c'est quand même génial. Casse ça s'il te plaît. Reprends ça vite. Vite. Ok. Et on va laisser l'autre grille là en attendant. Ok, bon. Et là, il y a d'autres coffres. Qu'est-ce qu'on a encore? Du charbon de bois. Ah, du fer. Ouais, bon, si on en avait pas assez, quoi. Là, il y a encore du charbon à prendre. Et là, c'est bon. Ok, là-bas, il y a du fer. Là, il y a encore des creepers. Bon. Ok, c'est clairement une ferme creeper fer. C'est clairement creeper fer le thème aujourd'hui. Avec un petit peu de charbon aussi qui traîne. Toujours sympa. Le villageois, il échange. Oh, mais attends, mais les échanges sont pas mal. Hein. Il donne des outils pour l'instant. Ok, attends, il y a énormément de. Waouh! What? Comment t'as. Ah, je sais, j'ai compris. Je sais ce qui s'est passé. C'est nous, on a fait une bêtise. Où c'est déjà, de l'autre côté. C'est nous qui avons fait une bêtise. Ici, là, on a fait une bêtise. Là, ils peuvent spawn. Ouais, c'est pas assez éclairé. Ouais, on va éclairer un max comme ça. Voilà, hop, voilà, c'est bon. Bêtise réparée, c'est parfait. Niveau du fer, on est comment là? On a 41 de fer, 3 blocs de fer, 64 de fer. On a une enclume carrément. On peut se fabriquer une nouvelle pioche. Allez, soyons fous. Je jette la pioche au feu. Et retour, on a la forge. Histoire de fabriquer une pioche toute neuve. Voilà. Non, mais what? Ah, mais je sais, il doit y avoir un spawner là-haut qu'on n'a pas cassé. C'était pas possible. Oh, attends. Ok, d'accord. Encore une galerie. Je regarde les potes vite fait. Hein. Je suis en pleine exploration, je t'avoue là. Je regarde s'il n'y a pas du diamant par exemple. Là pour le coup, dans les mines. Je ne pense pas, mais. Ok, il y a des zombies creepers. Enfin, creeper squelette, je veux dire. Là, il y a un petit peu de gravier. Ça semble continuer par là. Je vois un golem, je crois. Ouais, il y a un golem. Regardez.
Oh, il y a un under chest. Oh, tout ça dans l'under chest. Non, mais attends, mais what? Slow falling. Oh, il y a des blocs de diamants. Attends, mais c'est à nous l'under chest, tous ces créatures de la map. On peut se servir? Non, allez, vas-y, on va pas se servir. J'hésite, mais c'est le créateur de la map, hein. C'est pas nous qui avons posé tout ça là-dedans. Hein. On prend les bouteilles d'XP, allez. On s'offre une récompense, les bouteilles d'XP. C'est déjà sympa comme récompense en vrai, je trouve. Alors, donc là-bas, il y avait un golem. Salut, frérot. Ah oui, il peut pas passer. Bah oui, non. Ah, c'est ça la salle, frérot. Quand tu vas à la salle après, c'est compliqué, hein. Bah oui. Et là, on est de l'autre côté. Ok, waouh, carrément, genre là, c'est carrément. Pourquoi il y a un golem là, les potes? Attendez, il y a un coffre là? Non? Si, il y a un coffre! C'est quoi ce truc? Ah, tu gardes quelque chose? Feu de camp, cartographie. Ah, des fusées, merci, ça c'est gentil. Ça c'est nice, hein. Franchement, j'apprécie. On va utiliser ces fusées là, parce qu'il nous a donné. Et j'ai faim, on commence à avoir vraiment très très faim. Alors, on va reprendre la route. Voilà. Bon, c'est génial. Alors, ce château fort, les potes, validé x 1000. J'ai pas eu le temps d'aller voir ces coffres dans les maisons. On va juste vite fait, très vite fait, je vais aller voir les maisons. Genre, juste une maison, allez, cette maison là. Très belle architecture de village en tout cas. Oh, il y a des coffres, ouais, mais je pense que c'est des trucs basiques, redstone et redstone. Ouais. Ah, attends, il y a d'autres coffres par là. Éponge, il y a des vitres. Waouh, c'est pas mal là. Attends, lapis azulis, turn 3. Attends, ça m'intéresse, par contre, t'avoue. Débloque de lapis azulis pour l'enchantement, c'est trop bien, ça nous fait gagner du temps sur le minage. Turn 3, c'est sympa aussi. Attends, mais il y a plein de bouquins. Ah, désolé, on pique les bouquins aussi. Hein. Eh les gars, c'est une aventure survie. Hein. On est là pour survivre, nous. On est là pour faire le plein de ressources. Moi, on m'offre ça, je prends. À un moment donné, faut pas rigoler, quoi. Faut pas rigoler. Là, c'est disponible, c'est devant nous, on en profite. Il en faut 45, je crois. Ok, c'est bon, on a largement assez pour la table d'enchant. J'en prends un peu plus pour enchanter les bouquins, on sait jamais. Merci beaucoup, là, cette petite maison, on a bien fait. Oh, du gâteau. Oh, on peut pas emmener le gâteau. C'est dommage qu'on puisse pas emmener les gâteaux, c'est vrai. Oh, attends. J'ai commencé à transformer ces blocs-là. Il y a de la TNT. Encore la piste de liste, je prends. Ah, oh, des émeraudes. On pourrait changer avec les villageois. Ouais, allez, soyons fous. Ça donne de l'XP de toute façon. Il faut absolument, les potes, qu'on fabrique un coffre et qu'on construise une base. Là, c'est pas possible. Après, je m'installerai bien dans ce village, mais le truc, c'est que c'est pas la sphère. On l'a dit qu'on va survivre dans la sphère. Donc en vrai, non. Moi, j'ai un arc aussi. Ça va être un squelette, ça. Bon, allez, redécollage. Parfait. Non, mais c'est ouf. On a même l'impression d'oublier que c'est une map sphère. Regarde comme c'est géant. Qu'est-ce que c'est que ça, les potes? C'est quoi ici? Mais qu'est-ce que c'est en fait? Non, mais c'est vrai. Premier degré. Waouh, attention, on s'est fait mal. Un château remarquable. Bah ouais, non, mais j'ai mieux déjà. Enfin, vous, flemme de s'habiller en cuir, quoi. Ah, par contre, j'ai presque plus de bouffe. Bon, les potes, il y a quoi ici encore? Non, mais attends, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a encore une. Mais attendez, mais what? Je savais pas que c'était aussi grand la map, par contre. Là, qu'est-ce que c'est? Attends. Déjà, on va voir ici. Qu'est-ce que c'est que ça, les potes? Là, on a un bateau dirigeable. Oh là là, c'est un bateau à vapeur. C'est un bateau à vapeur trop stylé. Attends, fais voir. Oh, la classe. La classe de ouf. On dirait la planète au trésor. Je sais pas si t'as vu le Disney, mais il est incroyable. Attends, je vais mettre ça au four parce que là, j'ai faim. J'aurais vraiment dû prendre du pain. Ouais. C'est tellement ouf que là, on sait même plus exactement où est la sphère. Mais après, t'inquiète, hein, je sais à peu près. Mais attends, il y a des trucs dans les barils. Oui, il y a des feux d'artisan encore. Merci. Un bouquin Fissure Falling 4. Alors, ça, c'est oui. Alors, ça, c'est un grand oui. Est-ce qu'on le met maintenant? Non, ça m'embête. C'est du diamant, peut-être. Parce que ça, j'avoue, je suis pas fan de mettre ça là sur ça. Alors, attends, je veux absolument, mais alors, absolument aller voir qu'est-ce que c'est que ça encore. C'est quoi ça? C'est magnifique. Il y a un arbre ici. On dirait Minas Tirith dans le Seigneur des Anneaux. Un petit peu. L'arbre, hein, pas. Un petit peu. Vous voyez, un petit air quand même. Hein. Ok. C'est très stylé. Y a pas à dire. Là, on a encore un coffre. Ok, pied de lapin, livre. Ah, mais c'est incroyable. Franchement, c'est juste waouh, quoi. Là-bas, on a un manoir, les potes. Il y a tous les biomes du jeu, en fait. C'est génial. Bon, on va quand même s'installer sur la sphère. Même si j'avoue, il y a des endroits qui sont très tentants. On a dit que c'était une survie sphère. Donc, on va quand même s'installer sur la sphère. Mais je t'avoue, waouh. Franchement, agréablement surpris par tout ce que cache cette map. Je m'attendais pas à ce qu'on est carrément. Je sais pas, regarde où on est là. Enfin, c'est quoi? C'est un château? Enfin, c'est une pyramide? C'est incroyable. Hop. Et là, on a une cascade. Non, mais attends, mais regarde la cascade. Non, mais regarde comme c'est beau. Je vais emporter du nether là-bas, carrément. Et il y a des îles comme ça. Non, mais c'est du jamais vu. Bon. Et là, il y a une autre sphère. Ok. Il y a une autre sphère, un peu vide, avec de la neige. Ok, de la neige. Bon. Non, mais regarde là, le lac et tout. Non, mais là, c'est. Waouh. Non, mais là, c'est du n'importe quoi, les potes. Hein. Franchement, j'allais me servir au niveau du champ, les potes. J'avoue, là, vraiment, ça commence à être critique au niveau de la bouffe. Il y a une table d'enchant niveau 30. Là, regarde, non, hop, niveau 30 ou pas? Non, niveau 28, pas sérieux ça. Attends, on va la mettre niveau 30. Ou alors on pique la table et on la pose chez nous, hein. Ah, j'hésite. Alors, il y a ce qu'un mob ici. Je m'attendais pas à fight. On a pas de bouffe. Bon, ah, il y a le golem qui nous aide. Allez, vas-y, frérot, aide-nous, golem. Oui, merci, frérot, tu gères. Franchement, GG, frérot. Franchement, première fois qu'on remercie le golem, c'est vrai qu'à chaque vidéo, le pauvre, à chaque fois, on le tue pour le faire. Là, franchement, on lui dit merci. Hein. Là, il y a un taf de fou qui est réalisé par le golem. J'hésite, est-ce qu'on prend pas la table avec nous là?
Good question. Attends, je regarde ce qu'il y a. Efficiency 2, ça peut être sympa, ça. C'est Efficiency 2. Alors, attends. Voilà. Hop. Allez. Merci, Golem. Travail d'équipe, frérot, tu gères. Bon, alors, attends. On va procéder. Là, déjà, c'est pas possible, ce système. C'est juste pas possible. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Déjà, donne-moi ça. Alors, j'en demandais pas autant. Jette-moi l'or. C'est pas grave. Jette ça aussi. Jette ça aussi. C'est pas possible. Ok. Bon. Enchante-moi ça, Efficiency 2. Voilà. Et vas-y, un petit Protection 2 sur le pantalon. Protection 3, let's go. Oh, on a pas assez. Protection 1. Bon, allez. Protection 1, c'est la base. Et un petit Protection 1 sur ça aussi, c'est possible ou pas. Protection 1, ouais, ok, et sur les bottes, sur les bottes, sur les bottes. Comme ça, on est bien. Allez, un petit. Ah, oh, breaking. Ah, oh, dommage, bon, c'est pas grave. Faut que je reprenne ça. Non, tout sauf ça, s'il te plaît. Jette, non, pas ça, pas ça, pas ça. Jette ça, voilà. Non. Table craft, on va procéder dans l'ordre. Voilà, on va refabriquer des blocs là, avec ça, parce que là, c'est possible. Voilà, ok. On peut repartir, s'il te plaît, merci. Ok, c'est mieux. Bon, les 4 restants, on va pas les garder, ça prend de la. Quoique, ouais, ça va, ça va. Bon, l'arc, je vais le mettre au cas où araignée meurt. Toi, frérot, c'est non, hein. C'est non. J'ai dit, c'est non. On n'a pas de lit. Je viens d'y penser, on n'a pas de lit dans cette histoire. Bon, on va laisser la table là ou on la prend? Allez, on la prend. On la prend. Je réfléchis, les potes, je réfléchis. La situation est pas simple, étant donné qu'on n'a pas. Attends, faut absolument qu'on mange là, faut absolument qu'on mange. On va se poser ici, il y a des golems. Le problème c'est quoi, j'ai pas de lit. Je pensais pas que ce serait un problème, mais ça l'est. Attends, j'ai mangé des carottes parce que là j'ai pas le temps de faire du pain en fait. Non mais donne-moi ça. Non, non. On court les potes, on court. Attendez, on a des élytras, on va décoller hein. On peut pas décoller là comme ça. Y'a moyen de décoller, de se mettre à l'abri. Ok, on va redécoller. Ah, là ça a l'air tranquille, là ça peut pas spawn ici. Alors, ok, on est tranquille. Ah, waouh. Ok, j'en demandais pas autant. Alors, déjà. Tout de suite là, j'ai faim, on va manger. Ok, pas simple cette aventure sur lui, mais c'est rigolo, au moins on s'ennuie pas. La sphère est là, on a retrouvé notre sphère, les potes, c'est déjà ça. Là, y'a énormément de blocs de fer, de diamants, on va prendre. Alors, l'or, je t'avoue, on s'en fiche, mais le diamant, on va prendre. Y'a pas un truc là, attends, n'importe quoi, genre ça. Voilà, s'il te plaît, merci pour gagner de la place un petit peu. Les nonos. Ah, pour le début de bouffe, ça peut être. J'ai récupéré des graines, faut que je récupère des graines les potes. Déjà ça on va pouvoir le casser pour avoir l'XP et le diamant. Voilà. Et c'est là que j'aurais dû mettre efficacité 2. Bon c'est pas grave. Ah mais en vrai on pourra réenchanter à la maison, tranquille, en vrai tranquille. Bon, on s'en va des trucs en diamant. Allez, hop, hop, hop. Déjà, on va commencer par une épée. Ouais, c'est une bonne idée. Mais attention, on va garder le diamant pour. Déjà ça c'est obligatoire, si on veut casser de l'obsidienne. Ah mais c'est bon, on a de quoi tout faire en fait. Et là j'ai une efficacité 2, ça m'embête un peu. Bon allez, on va la jeter, on va garder le diamant, de toute façon c'est meilleur. On enchantera le diamant. Et une petite pelle. J'ai jeté ma pelle, où est passé ma pelle, j'en ai jamais fabriqué. Ah peut-être j'en ai jamais fabriqué. Ok, on va reprendre ça. Ah, il restait un diamant que j'ai pas vu. Ok les potes, assez content. Bah tu sais quoi, regarde. Hop, là c'est la pelle. Ouais. Je sais pas si c'est fait exprès, mais ça tombe tout pile. Allez, hop, parfait. La petite pelle, voilà. Bon les torches, ça servira à la maison. Ça comme ça, voilà. Regarde un peu de place. Bon, c'est ce que j'appelle de l'optimisation. C'est bien fait. J'ai un de laine. Il faut absolument qu'on tombe sur des moutons les potes. Hein. Et là, ce que je propose, c'est qu'on mange. Ouais, déjà, être full vie déjà, ça peut être pas mal. Bon, allez voir la forêt là. Il y a un endroit sympathique là-bas là. Je crois qu'il y a un mini champ. J'ai l'impression. On va aller voir. C'est quoi ça? C'est un champ. Oh, il y a du blé, parfait. En plus, c'est éclairé. Oh là là, magnifique. C'est tranquille ici ou pas? Ça a l'air d'être tranquille. Alors, est-ce qu'on peut récupérer juste quelques petites graines de blé, s'il te plaît, le jeu, juste pour chez nous. Ça, quand on fait un champ, eh ben, on a de quoi le planter à la maison. Voilà. Et en termes de bouffe, écoute, on va manger des carottes pour le moment. Je pourrais faire du pain avec le blé que j'ai récupéré là, non? Ouais, un pain. Ok, ça nourrit toujours pas trop mal. Bon, on va retourner sur notre sphère. À la base, dis-toi, ce que je voulais te montrer, et ça c'est trop drôle, ce que je voulais te montrer c'était ça. À la base, je voulais juste te montrer les îles qu'il y avait là. Genre en mode oui, je t'avais dit, il y avait des trucs volants et qui n'étaient pas forcément des sphères. Genre là, par exemple, tu vois, ici, là. Et au final, on s'est retrouvé à l'autre bout de la planète. Et c'est ça qui est drôle. Oh, regarde, c'est magnifique ici quand même. Hein. Petit château. Oh, il y a un château aussi. Attends, mais il y a trop de châteaux aujourd'hui. Hein. Oh, la map de ouf quand même niveau château. Alors là, il y a quoi là? Ah, non, doucement, doucement. Ah, c'est indosable ces élytras. En plus, ça, c'est les fusées qui fonctionnent longtemps. Ok, doucement, ok, on y est. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, du charbon. Ouais, j'ai vu du diams. Je pense que toi aussi, t'as vu le diamant. Il est là. Ok, le diamant, c'est pas un problème apparemment aujourd'hui. Apparemment, ça n'est pas un problème. Bon, si on retournait au niveau de la sphère, déjà, il faut qu'on tombe sur des moutons, les potes. Y a pas un mouton, genre dans la zone de. Ouais, y a des lits là. Attends. Le village, j'ai en plus, y a personne dans le village. Parfait. Ah, si c'est pas beau ça, regarde. On dort à la belle étoile. Voilà, donne-moi mon lit, jette ça, on s'en fiche. Ok, bon, où est-ce qu'on s'installe les potes? Il est peut-être temps de s'installer dans une base, enfin il est clairement temps de s'installer dans une base. C'est sympa ici, mais côté falaise, j'aime bien. Oh, c'est quoi ça? Il y a un élevage de cochons, ok, stylé. Il reste des villageois en vie ici en fait, il y a quoi là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, d'accord, stylé. On aurait dû aller là de base en fait, regarde, des graines et tout. Si on faut qu'on s'installe, j'allais dire où est-ce qu'on s'installe? Enfin, on va survoler un petit peu cette sphère géante. On s'installe pas en bas, on a dit qu'on y va dans la sphère, hein. Sinon, c'est plus une aventure sphère. Déjà qu'on y passe
beaucoup de temps en dehors de la sphère. Attends, mais il y avait aussi une Intervention Clan. Non, mais attends, mais c'est pas possible, les potes. Franchement. Avec un jump, carrément, quoi. Pourquoi faire le jump si elle les élitera? On s'installe tout en haut. Comment c'est fait tout en haut, d'ailleurs? Je me suis pas posé la question. Ah oui, il y a de la bedrock un petit peu. Bon, ça, on pourra au pire l'enlever s'il faut. Il y a nos fusées de départ ici. En gros, c'est comme ça. Et moi, je dirais, on peut s'installer, mais il faudrait casser les arbres, quoi. Bon, les potes, j'ai une idée. On va tisser le briquet. Ça marche. On va tisser le briquet pour faire un tout petit peu le ménage. Histoire d'avoir un peu plus de place. Voilà, histoire d'avoir un tout petit peu plus de place. Je sais que ça risque de brûler pas mal, mais en vrai, il n'y a pas plus efficace. Parce que là, si on commence à casser à la main, les potes, on ne va pas s'en sortir. Hein. Ça va pas être possible. Là, au moins, tu vois l'avantage, c'est que là, ça va libérer de la place pour nous. Et j'espère que c'est des arbres qui ont spawn naturellement, comme ça, tout va despawn quand le bois aura brûlé. Ok, parfait. Bon, faudrait casser la bedrock. Faudrait casser la bedrock, hein, parce qu'en vrai, on va pas laisser la bedrock comme ça. Là, comme ça, on va avoir une surface tout en haut de d'ici. Ah mince, les fusées, j'ai pas pensé à ça. Faudrait un coffre, hein. Mais ouais, mais le coffre va brûler, quoi. Bon, c'est pas grave pour les fusées, t'inquiète. On les récupérera plus tard. D'abord, là, on regarde un peu ce que ça donne. Eh, hey, franchement, les potes, mais c'est efficace de ouf, regarde, là, la place que ça a libérée. Non, mais ça marche trop bien, cette strat, en fait. Ça marche beaucoup trop bien. Ok, les potes, j'ai cassé la redstone, enfin, la bedrock, comme ça, voilà, il y a plus que du bois. Et franchement, ça marche de ouf, là. Regarde, l'espace qui se libère. Du coup, on aura enfin accès au haut de la sphère, en mode, tu vois, en mode terre. On aura accès à l'herbe. Parce que là, en fait, on était dans les arbres, et là, tu vois, on peut enfin aller au sol, ici, regarde, là, on est au niveau du sol. Bon, alors, je sais qu'il restera quelques morceaux de bois dans les airs, etc., parce que ça ne casse jamais tout à 100%, tu vois, là, il y a un morceau qui traîne. Mais en vrai, globalement, c'est quand même cool de pouvoir enfin avoir un endroit où on va pouvoir s'installer. On va pouvoir s'installer là, parce que c'est vrai que là, c'était pas possible. Alors, je sais, c'est-à-dire que le briquet, c'était un peu la solution la plus extrême, je suis bien d'accord, mais au moins, c'est efficace. Alors, par contre, ouais, le truc, c'est qu'on prend feu même quand on n'est pas à côté du feu, c'est ouf. Est-ce qu'on peut être un coffre dans cet environnement-là? Ça me paraît un petit peu dangereux encore, un coffre, là, c'est un peu tôt. Attends, on va casser tout ce qui est là, ici. On va essayer de se trouver un coin où ça brûle moyennement, on va dire. Genre là, par exemple, si on casse ici. Je pense qu'il y avait une maison quelque part, là. Ça ressemble vachement à une maison, ici. Bon, là, on a une petite zone, là, qui brûle un petit peu moins, en vrai. Ouais, par là, là. Voilà, ici. Est-ce qu'on creuserait pas pour égaliser le tout? Ouais, on va creuser ici. Comme ça, on a une belle zone, ici, un petit peu à l'écart du feu. Voilà, on va pouvoir s'installer tranquillement. Voilà, je peux casser ça aussi. Voilà, là c'est très bien, on va pouvoir construire une base, c'est protégé. Ah, c'est super même. Franchement, c'est super. Juste arbre là, comme ça on prend aucun risque. Voilà, je veux pas que le coffre brûle sans faire exprès quand même. Ce serait un petit peu une galère. Bon, posez ça. Les potes, il est temps de fabriquer le truc le plus important du jeu dans cette aventure. Le coffre, enfin quoi. On va pouvoir ranger enfin des trucs, parce que là c'était pas possible. On va ranger tout ça. Ça se range aussi. Ça se range. Non, ça on en a besoin, ça se range. Pour le... Ah non, pour casser les feuilles. Ouais, bon, il y aura toujours un besoin. Ça se range. Aussi. Les fours, on va les poser. Alors je sais, il y a tout qui brûle autour, mais regarde, finalement, mine de rien, ça commence à libérer de la place. En vrai, c'était vraiment pas une mauvaise idée, hein. Franchement. C'était même nécessaire. Au moins, on a accès, finalement, les potes, enfin, j'ai envie de dire. Alors attention à ça, par contre. On a enfin accès à un petit peu de surface. Au niveau du sol, quoi. Parce que là, franchement, c'était quelque chose, quoi. Ok, ça se casse. Ça se casse aussi, très bien. Ah, bah voilà, l'environnement est cool, là. Là, c'est notre base, les potes. Enfin, on va poser notre lit aussi, d'ailleurs, au passage. Voilà, on va pouvoir mettre notre point de spawner. Attends, peut-être pas ici, le lit. Là, moi, je verrais bien le lit. Par là, ouais, voilà. On va pouvoir set up notre point de spawn. On est vraiment pas mal. En vrai, moi, j'hésite. Est-ce qu'on aurait pas un feu de camp? Ouais, c'est cool les feux de camp à faire. Alors attends, juste un petit peu de truc. Attends, on a pris le craft par cœur, tu sais quoi? C'est comme ça, je crois, avec ça et ça comme ça qui fait le tour. C'est ça l'idée? Oui, c'est bon, je sais en fabriquer un. Voilà, comme ça symboliquement, on a notre base ici. Ah, c'est bien. Franchement, c'est génial. On va mettre l'inventaire comme ça. On va juste brûler ça, ça aussi, ça là-bas pareil. Bon, c'était la stratégie la plus logique, les potes, hein, de déclencher un incendie. Ici, c'était la stratégie la plus logique en vérité, là tout de suite, pour pouvoir accéder au haut de la sphère en toute tranquillité. Bon, on récupérera les fusées, t'en fais pas. Si elles ont brûlé, on se les redonne, il n'y a pas de souci. On avait pris 2-3 stacks de fusées, je sais exactement combien il y en avait de base, donc c'est pas un problème. Bon, si on plantait un petit peu dans cette histoire notre champ, d'ailleurs, j'ai pas pensé à un truc, mais qui dit champ dit forcément de l'eau, et on n'a pas d'eau en haut de cette sphère là. Alors on va aller en chercher. Mes élytras sont toujours en bon état, ouais. Il reste 2 stacks de fusées, il faudra penser à se redonner les autres. J'ai tout rangé, sinon j'ai pas besoin dans l'inventaire. D'ailleurs, attends, ça... Ah, non, ça on va garder, ça je vais ranger. Non, ça je vais garder. Ça, je vais transformer, parce qu'on voit, on s'en est servi de pas mal. Ça aussi, je vais transformer, voilà. Ça, je range. Je range... Bon, allez, je garde. Ça, je pose, en vrai.
Table d'enchant, je vais la poser aussi. Là. Ça, on peut fabriquer les bouquins en vrai. En vrai, ça peut être sympa ça. Je vais te garder ça comme ça. Tiens, j'en veux même pas autant. Ouais, 10, c'est très bien. Commencer. Ah là. Ouais, franchement, c'est pas mal là. Ah, attention à nos pieds. Ça ne veut pas voler ça. On va le casser nous-mêmes. Est-ce que c'est des arbres customisés ou posés à la main? Ça, on va le savoir. Si l'arbre dispawn, c'est que c'est naturel. Il dispawn. Ah, c'est trop bien d'armer des arbres naturelles, franchement. Ça simplifie tellement les choses. Par contre, les trucs qui brûlent là, vous comptez disparaître un jour ou... T'allais juste rester comme ça. Là, c'est pareil, ce truc là. Attends, ce truc là-haut là. C'est pas sérieux ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez. Ah, c'est trop. Bah, dis donc. C'est bon là? Ok. Ah, super surface ici. C'est cool. En plus, on est protégé parce que t'as vu les arbres, ça fait une rampe, ça fait un peu un rempart qui fait le tour, tu vois. C'est un peu comme si on était protégé, tu vois, au milieu de la forêt. Tu vois, c'est cool. Au centre de la forêt. J'aime beaucoup l'idée. Et là, il y avait clairement, on dirait qu'il y a eu une explosion ici. Non mais regarde. Attends, ça mène à où ça? Ok, je viens d'aller voir. En fait, c'est juste une giga descente. Ça s'arrête. C'est vraiment. En fait, après pour remonter, c'est une galère. Mais c'est sympa qu'ils aient mis des détails comme ça. Il y a de la redstone. C'est mystérieux un peu cette map. Hein. Il y a un côté mystérieux aujourd'hui. On comprend pas tout. J'ai remarqué, il y a des trucs, on se dit, mais pourquoi c'est là? Du diamant, carrément. Non, mais attends, mais. Attends, mais t'imagines, si on avait jamais brûlé la forêt, on n'aurait jamais trouvé ça, en fait. Comme quoi? Comme quoi? Bon. J'étais en train de fabriquer le reste des bouquins. On est bien d'accord. Ça. 5, c'est parfait, ça. Voilà, les 5 qui manquent. Excellent. Allez. Hop, 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 hop. Et si on va être symétrique, hop. Tada! Niveau 30 ou pas? Niveau 30! Efficacité 4. Ah, 28, pourquoi? Ah, celle-là ne compte pas. C'est ça? Attends, on va recompter. Là, il y en a 6. Là, il y en a 4, ça fait 10. Là, il y en a 4, ça fait. 14, 15, ah celle-là ne doit pas marcher. Je ne savais pas, mais maintenant on sait. Ça ne fonctionne pas quand c'est en haut. Je ne savais pas ça, on va réessayer. Normalement elle passe niveau 30, alors si c'était bien ça. Normalement si c'est ça, là on est toujours niveau 28. Ouais c'est ça, ça marche pas. Ok, ça marche pas tout en haut, c'est à savoir, et là niveau 30. Ok, bon maintenant je le saurai. Est-ce qu'on a un peu, ah on a pas assez d'XP. Bon après c'est pas un problème, on pourrait aller XP en vrai. Attends, je vais transformer ça comme ça, parfait. Ok les potes, on va pouvoir enchanter, c'est parti, efficacité 4, attention, ok, là il y a quoi, efficacité 4 aussi, ah, juste efficacité 4, sharpness 3, breaking 3, ok, l'arc, non. et l'appel, on tente l'appel ou pas, efficacité 4, breaking 3, non, oh, efficacité 4 qui est offert, ah, silk touch, est-ce que c'est sympa ou pas, on récupère l'herbe comme ça, oh, ça peut être pas mal en vrai, ça change pas grand chose, moi je me dis, c'est, tu vois, ces petits espaces là comme ça, vite fait, pourquoi pas, c'est refermer un peu histoire de tu vois genre là venir là comme ça voilà parce que vu que c'est chez nous je me dis c'est pas la peine de laisser des trucs comme ça comme s'il y avait une explosion ou je sais pas moi un cratère de météorite je me dis c'est plus sympa que là si on tombe ici tu vois ce soit pas un truc comme ça donc petit à petit je pense que l'objectif va être de reboucher les trucs comme ça en tout cas à côté de chez nous hein, pas partout hein, t'inquiète hein, on va pas reboucher ça partout la flemme voilà clairement mais à côté de chez nous tu vois genre ça peut être sympathique. Ok. Ah, non, mais là, ça va être rapide, en fait, avec une pioche aussi cool. Avec une pelle aussi efficace. Voilà. Et bah, voilà. Là, on est en survie. Là, c'est cool. Franchement, la table d'enchant, c'est la vie, les potes. Hein. Vraiment, la table d'enchant, c'est la vie. Résumé du jour, voilà. Résumé de la philosophie du jour. La table d'enchant, c'est la vie. Ah, et même ça, regarde comme c'est rapide, maintenant. Voilà. On casse tout ça. Voilà, j'aménage un tout petit peu, les potes. C'est la mini... parenthèse aménagement, parce que c'est toujours sympa, tu vois. Il y a beaucoup de bois qui traînent, qui ne devraient plus être là. Ça, par exemple, si on casse, les feuilles vont disparaître, on est d'accord. Oui. Le problème du feu, c'est ça. C'est quand tu brûles au feu, le problème principal, et c'est normal, hein, c'est tout simplement que ça va laisser des trucs un peu partout, quoi, tu vois. Genre, par exemple, ça, ça, ou ça, par exemple, voilà. Ok, c'est bon. C'est parfait. Là, on est bon. J'ai cassé un peu juste aux alentours de la base, mais là, on est bien. On est très bien. Ah, là, ça prend forme. Là, c'est cool. On peut mettre un petit peu de bloc ici. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment... Ouais, il n'y a pas que la map... Enfin, j'ai l'impression que c'est pas que le bois. Hein. C'est juste la map qui a été conçue de manière à ce qu'en fait, c'est comme s'il y avait eu la guerre, je sais pas. Et tout est cassé, regarde. C'est vraiment... T'as vu, il y a un côté très cassé. Et j'ai l'impression que c'est fait exprès. Tu vois, genre ce genre de truc là, par exemple, ça, tu vois, c'est fait exprès, on dirait. Bon, je vais reboucher ici. Bon, je vais prendre l'or avant quand même. Parce que quand même, faut pas exagérer. Il y a de l'or qui traîne, on va le prendre. Mais tu vois, ce genre de truc, quoi, on dirait que c'est totalement fait exprès, quoi. C'est dans le thème de la map. Tu vois, vraiment, le thème du jour de la map, t'as l'impression que la map, bah, il y a eu, je sais pas, des trucs cassés. Ouais, comme s'il y avait une ancienne civilisation, je sais pas, qu'il y avait une pluie de météorites, un truc comme ça. Bon. On est pas mal, on va mettre ça au four. Ok, les potes. Bon, là, on va pouvoir passer à la partie survie un peu plus tranquille. Enfin, c'est déjà ce qu'on fait en fait, on est déjà en train de survivre. J'avais dit qu'il me fallait un champ. Oui, bah oui, voilà, on oublie des trucs, mais il nous fallait un champ, Et j'ai des graines, mais j'ai pas d'eau. On va aller chercher de l'eau immédiatement. Je vais dodo parce que flemme, tu vois, je t'avoue. Flemme. Ok, il fait jour. Bon, j'avais le réflexe de chercher la bouffe dans l'inventaire, mais je n'ai pas de bouffe. Alors, on va aller en chercher. Faut aller chercher de l'eau surtout. Où est-ce qu'il y a de l'eau? Alors, il y en a partout. Où est-ce qu'il y a beaucoup d'eau? Tiens.
Ici, il y en a pas mal. Alors, attention à doser la descente. C'est trop stylé, cette map. En plus, il y a du vide, t'as vu? C'est ça qui est ouf, c'est que le reste, c'est du vide. Il y a un côté île volante, vraiment, c'est... Non, franchement, la map, waouh. Vraiment, je tiens à dire, la map, juste waouh, quoi. C'est fou. Alors, hop, voilà. Redécollage. Alors, j'ai pris deux sources, tu as deviné pourquoi. C'est vrai que ça grimpe, les élytras, là, comme ça, hein. Franchement. Ça grimpe très, très bien, hein. Hop, ok, attention, attention. Ok, super. Alors, maintenant, ouais, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de trucs à réparer ici. Hein, c'est... À chaque fois que je reviens ici, je suis en mode, ah, il y a des trucs à faire, c'est... c'est marrant, mais à chaque fois que je suis là, je me dis, ah, attends, faut que je casse ça, ça traîne. C'est quelque chose, en effet, ouais. Ouais, c'est quelque chose. On réparera pas la sphère entière, encore une fois, parce que là, on ne va pas s'en sortir. Mais réaménager un peu certains morceaux de sphère, ouais, pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Genre là, par exemple, tu vois, je me dis... Autant aplanir, voilà, ce côté-là. Bon après, avec cette pelle-là, franchement, c'est un plaisir d'aménager aujourd'hui. Hein. Tiens, des fois, c'est une galère, mais là, aujourd'hui, franchement, t'as une pelle comme ça, bon, t'as envie d'aménager, limite. Hein. Limite, t'es là, t'es en mode, non, franchement, c'est dommage, là, pourquoi je laisse ça traîner? Bon, la quantité de bois que je dois avoir, j'ai même pas regardé, mais je dois avoir une quantité de bois, ça va être impressionnant. Voilà, comme ça, je vais pouvoir au moins réparer ça, là, parce que là, ça, c'était pas possible. Voilà. Au moins ici, non, hop, voilà, au moins ici, on va débloquer la deuxième main, plus pratique. Au moins, voilà, je disais donc, voilà, c'est mieux là, non? Franchement, c'est mieux. Là, pareil, on arrondit un petit peu, c'est plus naturel. Là, on casse, voilà, comme ça on garde un arrondi un peu naturel de la sphère, parce que je te rappelle que c'est une sphère, donc c'est normal qu'il y ait une surface un peu plus haute que le reste. C'est là où il y a notre base, justement, on est pile au centre en fait. Enfin, je crois qu'on est pile au centre, hein, c'est pas sûr. Hein. Ah, on voit, on est plutôt bien placé, hein. Voilà, et là tu vois, c'est une zone un peu plus naturelle de la zone. Et ici, les trucs comme ça. Voilà, on rebouche. Bon, c'est du détail, mais c'est à côté de la base. Là, ça va être une zone pour un champ, pour un élevage. Donc c'est pour ça que j'ai dit, de toute façon, aplanir ici. Et c'est pas un problème dans tous les cas, parce que c'est nécessaire en fait, j'ai envie de dire. C'est nécessaire que ce soit aplani là, tu vois. Il n'y avait aucun intérêt de garder un truc ici pas aplani. Voilà, très bien. J'utilise tout mon truc, ouais, j'utilise tous les trucs que j'ai, ouais. Ouais. C'est mieux là quand même, regarde, là, ici, là, ça a été travaillé, là, regarde, là, c'est mieux. Là, on voit qu'on est passé. Là, on voit qu'on est passé. C'est là, t'as vu comme c'est beau ici, là? Tout est plat, il n'y a pas un truc qui dépasse. Là, ça se voit qu'on n'est pas passé. Là, tu vois, là, on se dit, là, c'est bizarre. Hein. Là, on est là, on se dit, étrange, que j'ai-t-il passé ici? Hop, Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire, ça, mais alors, absolument pas. Ok, voilà. Là, on voit qu'on est passé aussi. À part pour les trucs comme ça. Pareil, qu'est-ce que ça fait là ce truc? Allez, ça bouge. Ça dispone ou pas? Non, ça dispone pas parce qu'il y a ça évidemment. Ça. Il doit y avoir un morceau de bois ici. Ah, enfin! Enfin, ça dispone. Ah, c'est quand même mieux quand on a mis un petit coup de pouce quand même là, franchement. Là, pareil, on peut arrondir un peu. Ça nous fait des blocs de toute façon, dans tous les cas. C'est pas une mauvaise chose. Alors, attends, parce que j'ai giga faim. C'est bien de s'occuper de la base, mais je crois que le jeu nous dit, frérot, tu ferais mieux de t'occuper de manger d'abord, avant de vouloir tout ranger. C'est ce qu'on va faire. On va donc écouter le jeu, parce que là, on a faim. Ça, on réparera après. Ok, bon, je suis assez content, là, du résultat, je t'avoue. Ça, on va juste casser un petit peu, parce que, voilà, histoire que ce soit un peu plus arrondi. Voilà. Et là, il peut y avoir un champ, là, tu vois. Là, ici, il y a un champ. Là, pareil, on peut creuser un petit peu ici, de manière à faire de la place. Voilà, là, comme ça, pour des champs sur les côtés. Voilà, c'est très bien. Non, franchement, je suis content. Là, on travaille bien, c'est cool. On avance bien. Bon, il est temps de fabriquer notre premier champ, ça tombe bien. Alors déjà, source d'eau infinie, on va la mettre là. Utiliser ça, parce que j'ai quand même un item exprès pour ça, ce serait dommage de pas s'en servir. Voilà, comme ça, on a de l'eau à l'infini. Et maintenant, on va planter notre premier champ ici. Écoute, soyons fous. Alors, par contre, si je mets mon champ ici, ça ne peut pas rester là. Voilà, voilà. Ensuite, il me faut une houe. Bah oui. Il me faut une houe. Attends, parce que mes outils, là, c'est mal organisé. Hop, voilà, j'ai mes graines. On va ranger les trucs qu'il fait dans les coffres. Ça, on va ranger. Tout le bois, là. Waouh. La quantité de bois, mon pote, c'est incroyable. Attends, c'est juste ça, peut-être. Divise-moi ça, transforme ça. Voilà, parfait. Parfait. Pareil, tout ça, c'est pas la peine de garder tout ça. C'est pas la peine non plus. Ça, à côté, ici, on va s'en servir. Bon, une houe en diamant. Allez, soyons fous. Un petit unbreaking, soyons fous, un petit unbreaking sur ça, unbreaking 3, ouais, je suis chaud, vas-y, unbreaking 3. Et là, on va avoir sharpness 1000, non, je rigole, c'est pas possible. Unbreaking 3, c'est bon, ah, comme ça, au moins, incassable. Là où, incassable, frérot, vraiment, là où tu peux t'en servir 10 ans, c'est bon. Allez, c'est bon par là, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ça... Mince, c'est pas... Ah oui, c'est le problème d'avoir les blocs dans la deuxième main, hop, reviens là, toi. Ok, j'en jette un peu de bloc ici, de manière à ce que ça soit pas directement au bord. Ok, et je casse ça au passage, comme ça, ça libère un peu de place. Pareil, ça aussi, voilà. Toujours des trucs à faire, j'ai l'impression, là, aujourd'hui. C'est ça qui est drôle, c'est là on ne s'ennuie pas, parce que n'importe où je vais, il y a toujours un truc, je me dis, ah, faudrait peut-être enlever ça, peut-être enlever ça. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, voilà, 1, 2, 3, 4, ok. Bon, là, je vais faire les tours ici, par là, ok, c'est bon.
Le champ est en place, les potes, on va pouvoir manger. Ce qui est une bonne chose, quand même, franchement, on va pas se mentir. Hop, on va manger ça aussi. Voilà. Alors, ça pousse tranquillement. Attends, tu sais quoi? Je sais ce que tu dis, oui. J'ai laissé un truc ici, oui, il faut s'en occuper. Attends, déjà, j'étais occupé ici, là. Il y a du boulot partout. C'est pas le boulot qui manque ici. Voilà, clairement pas. Attends, on met ça dans la deuxième main, comme ça, voilà. Ok, ça... Non, ben non, ben justement. Ah, mais si tu prends l'item et tu cliques droit, c'est l'item qui passe avant? Je ne savais pas, ok. C'est bon à savoir. Je réfléchis un peu à comment on fabrique tout ça, là. Ok, ça comme ça, ça peut être sympa, ça. Juste mettre, voilà. Un petit peu de pelle ici. Voilà, ça pareil. Bon, ça me paraît pas trop mal, là, en termes de terraforming. On arrive sur quelque chose de ok, en fait. Voilà, comme ça, et comme ça. Bon, ah, je suis content, là. Belle surface. Ici, comment ça se présente, là, notre survie? Déjà, il y a du pain, les potes. On va pouvoir manger. En vrai, la survie se présente bien, hein. Moi, je trouve qu'on est vraiment en progression et tout. C'est cool. Franchement, c'est génial. Donc, on peut faire le tour comme ça. Voilà, histoire d'avoir le maximum de pain nécessaire. Dis-toi qu'à la base, ici, c'était vraiment une forêt. C'est ouf, hein. On voit quand même qu'on a travaillé. Pourquoi est-ce que ça reste... Comment c'est possible que ça soit flottant, ça? Attends, j'ai pas mes fusées. Ça, à mon avis, c'est parce que... Bizarre, ça. Ah ouais, par contre, doser le truc avec ça, c'est impossible. Hein. C'est le vrai problème des élytras, hein. C'est que ce n'est pas vraiment dosable, hein. Bon, on va d'abord manger, parce que là, j'ai faim. On cassera ça plus tard, au pire, c'est pas grave. On parle de trois morceaux qui flottent, c'est pas grave du tout. Je note quand même que toute la forêt n'a pas brûlé. C'est marrant, quand même, hein. Ça a cassé pas le truc, mais sans jamais tout vraiment brûler, tu vois. Hop, c'est assez intéressant quand même. Hop, non, bah non. Bah non, en fait, non, frérot, non. Hop, ça c'est marrant que l'item passe avant quand tu utilises l'item, je ne savais pas, tu vois. Attends, là, il reste juste ça. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça, je pense. Ah, voilà, c'est mieux, là, franchement. Bon, il reste quelques arbres ici. Attends, tout ça, ça bouge. Mais franchement, d'une manière globale, voilà, comme je dis, on fera pas toute l'île comme ça, juste la zone autour du spawn. On pourrait, hein, mais ça va prendre un temps fou. T'as vu qu'il y avait des cratères partout sur le truc, donc c'est pas l'objectif non plus. Mais là, rien que là, tu vois, là tout de suite, là, je trouve. Ah, là, il y a un côté plutôt sympa ici, là. Voilà, regarde. Là, c'est sympatoche, là, pareil, comme ça, un peu arrondi, voilà. Bon, c'est super. J'ai à manger, c'est cool. Le champ pousse bien. Voilà, on a plein de bonnes nouvelles, là. Là, c'est cool. Là, on progresse. On progresse. Voilà. Ok, ça ici, voilà, bon, c'est pas mal, en vrai, c'est pas mal. Alors, planter ici, là, 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 ici, là, 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 et là. Ok, le champ est complet, très bonne nouvelle. On va pouvoir ranger ça, j'ai un max de pain qui arrive, excellente nouvelle également. Comme je t'ai dit, on va fabriquer le petit coffre ici, toujours très important, le petit coffre des familles. On va ranger ça, ça, et les graines, ouais, ouais, ouais. Toujours garder un coffre à proximité avec un truc orienté un peu plus végétation, tu vois. Par exemple, les pousses aussi, tu vois. Alors, tout ce qui va être pousses, tout ce qui va être carottes. Voilà, tout ce qui va avoir un rapport direct ou pas direct avec le côté un peu champ, nature et tout. On met tout ça là. Il est temps de dodo. Je passe qu'il est grand temps de dodo, hein. Voilà. Bon. En vrai, c'est sympa. Maintenant qu'on a de la bouffe, on pourrait penser à l'élevage. En vrai, ça suit logiquement. Bon, en vrai, après la bouffe, toujours l'élevage. Je vais garder un seau uniquement. On sait jamais, si on prend feu, ça peut toujours sauver la vie. Ranger ça également, j'ai toujours Feather Falling 4 à mettre quelque part. Est-ce qu'on n'enchanterait pas des petits bouquins, voir un peu ce qu'ils proposent? Comme enchantement, c'est toujours sympa de voir un peu ce qui est proposé. Alors non, enchanter le saut, ça risque pas de marcher. Inspiration 3, non, mais un petit Sharpness 3. Ouais, tu vois, par exemple, un petit Sharpness 3. On a une enclume, on fait ça. Sharpness 4, voilà, c'est gratuit, tu vois. Bon, voilà. C'est des petits trucs comme ça. Quick Charge, non. Mais c'est sympa, tu vois, les petits trucs comme ça. Propose quoi d'autre? Power 3. Power 3, c'est sympa. Il y a deux Power 3. Power 3 tout court, ok. Attends, il y a un truc que je vais pas garder. Déjà, ça, dans la deuxième main, s'il te plaît. Ça, ça revient ici. L'efficacité 1, j'en veux pas. Le Power 1, j'en veux pas. Mais le reste, c'est sympa. Là, par exemple, dans Piercing 4, c'est pour l'arbalète. Efficiency 3. Bah, il y a rien à améliorer en efficiency. Ah, il y avait un Fire Aspect, mince. Protection 3. Wow, efficacité 4, Power 4, Protection 3. Bah, faut faire un choix, en fait. Qu'est-ce qu'on améliore? Efficiency 5 sur le truc, hein. Ouais, c'est trop fort. Hein. Efficiency 5, les potes, on a découvert ensemble que c'était n'importe quoi en termes de puissance. Hein. Là, je dis un petit Unbreaking 3. Tu vois, un petit Unbreaking 3, franchement, ce serait n'importe quoi, là. Y a moyen d'avoir un petit Unbreaking 3? Knockback 2 sur l'épée, allez. Sur l'épée, Knockback 2, c'est toujours intéressant. Alors, j'ai un Power 4, mais je vais pas le mettre sur un arc comme ça. J'ai pas de fil. Ouais, j'ai pas de fil. On pourrait fermer les araignées, les potes, hein. Efficiency 4, encore une fois. Bah, écoute, la hache, hein. Allez, hein, hache. Attends, je vais prendre plus de ça. On fait nos courses en enchantement. Infinity, génial. Infinity Turns 2. Ah, mal quand même, hein. Non, Infinity, c'est trop fort. Hein. Vraiment, c'est rare en plus. Ban of Arthropods, c'est hors de question. Il y a encore du Protection 3.
On a 2 protection 3 là, non? Ouais, non, on n'a pas de protection 3. Loyalty, c'est non. Efficiency 2. Ok. Knockback 2. Ouais, il y a tellement de trucs. Qu'est-ce qu'on va pas garder? Tous les sharpness 1, on s'en fiche. Power 1, c'est pareil. Protection 1, c'est pareil. Power 3, on peut garder. Efficiency 2, non. Non. Et le reste, ça a un intérêt, on va dire. Le reste, ça a un intérêt. On va les garder. Bon, on a toujours un Feather Falling 4. Là, je pense qu'il peut être une priorité. Alors, c'est soit on va chercher des vaches vite fait et tout. On prend un peu de blé avec nous, on va chercher des vaches. Déjà, attends, j'avais un peu plus de pain, parce que là, j'avoue, j'ai 11 de pain, c'est pas comme ça qu'on va aller super loin, franchement. Donc déjà, soit on récupère un élevage, soit on va chercher du diamant, ça, hein, et on va essayer d'enchanter du diamant en armure et tout. Ce qui peut être une idée sympathique, sachant que tu avais vu qu'il y avait des donjons dans les cavernes. On n'est pas descendu très bas dans la sphère, en vérité. On a exploré énormément en dehors de la sphère. Après, il y a tellement de trucs dans la map qu'en fait, c'est normal. On s'est promené 2 secondes et on n'était même plus ici, quoi. C'est normal, la map est tellement géante qu'il y a tellement de trucs à faire. Attends, je vais creuser comme ça, en fait, je vais casser comme ça. J'aurais dû casser tout le champ direct, en fait. J'ai cassé un morceau du champ, moi, je me suis dit, ah, une petite ligne. En vrai, j'ai juste à casser tout le champ et replanter ensuite, ça aurait été plus rapide. Voilà. Combien de pain ça me fait, tout ça? Allez, un petit peu de pain de réserve, c'est possible ou pas? Ouais, c'est possible, apparemment. Oui, 38. Ok, là, ça commence à devenir intéressant. Bon, 38 de pain, on aura à manger pour un petit moment. Là, on peut explorer en toute tranquillité. Contrairement à tout à l'heure, on est en train de se balader alors qu'on avait rien. Bon, si on allait découvrir un petit peu ce que cache cette sphère. Un peu plus bas. Alors, on va y aller en douceur parce que je t'avoue. On va essayer de descendre comme ça, parce que t'as vu, ça descend comme ça. Je sais pas si tu vois. Ah, il y a de la canne à sucre. Ah, il y a de la canne à sucre, Donne-moi ça. Ok. Non. Ah, j'en ai. C'est bon, j'en ai une. Une, c'est bon. Hein. Mais juste une, c'est bon en fait. C'est pour planter à la maison. Et là, il y a une mine qui fait tout le tour. T'as vu, je t'avais dit qu'il y avait un réseau de métro ici. Attends, je vais juste regarder où ça mène. Bon, du diams. Ça, c'est oui. Ouais, il y a un truc qui fait le tour complet en mode mine. Délire. Regarde, attends, j'ai envie de savoir où est-ce que ça mène. En plus, regarde, c'est bien, c'est que ça ne traverse pas des blocs, donc on peut y aller presque comme ça, tu vois. Je t'avais dit qu'il y avait un réseau de mines. Au début, j'ai pas retrouvé, je t'avais au début de vidéo, ouais, il y a un réseau de mines, on dirait. Enfin, de train-train, et waouh, c'est stylé. Alors, attends, ça fait le tour par là. Waouh, forcément. Les ultras, les potes, c'est presque incontrôlable comme truc. Hein. On a un bateau. Attends, je veux savoir où les mines mènent, en fait. Ici, ok. Ça fait que descendre, en tout cas. Ça, c'est une certitude. Ça fait absolument... waouh. Alors attends, là il faut voler, par contre c'est comme ça. Attends, s'il te plaît. Ok. Oh, diamant. Dommage qu'on ait pas fortune, pioche. Hein. Ça c'est vraiment... bah, c'est dommage, on a pas eu... pourtant on a enchanté plein de bouquins. Hein. C'est pas faute d'avoir essayé d'avoir eu fortune en bouquin. Encore du diamant. En fait c'est bien parce qu'en fait, si on était en minecart, on voudrait s'arrêter tous les 5 secondes pour du diams. Là, comme on remonte le trajet à pied, bah on peut s'arrêter quand on veut en fait. Par contre, ouais, c'est vrai que c'est marrant, encore du diams. C'est fait exprès en fait. T'es là, t'es dans le wagon, t'es en mode... ah non, du diamant, et tu peux pas le récupérer, tu vois. Alors que là, bah y a pas de problème en fait. Et ça c'est génial. Il n'y en a pas plus par là-bas, non. Enfin, ça a l'air d'être bon. C'est marrant qu'il n'y ait pas de mob ici. Ça a l'air plutôt bien éclairé. Enfin, c'est fait exprès le diamant ou quoi? Il y a du diamant à chaque fois. Allez, potes, c'est quelque chose hein, ce réseau de rail là. Faudrait qu'on fasse un tour hein, à un moment donné en rail pour le fun. Regarde, ça ne s'arrête pas. Ça continue par là. Ah, là c'est cassé par contre. Ah oui, je sais pas si c'est normal. Je pense pas que c'est normal. Hein. Faudra réparer. Ah, mais faudra enlever la source en fait. Sur... ah ouais, non, mais je sais pas si c'était prévu comme ça dans la création de la map. Mais là c'est cassé. Hein. Est-ce qu'on va avoir accès à un truc giga secret? Oh, attends. On a peut-être très bien fait de passer par ici. Hein. Regarde, on a un giga réseau de trucs. Là, on arrive sur une structure. Attends, il y a une salle là. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est stylé ici! On est dans la sphère? Attends, mais c'est incroyable! Donc là, on est dans la sphère. Il y a des trucs comme ça dans la sphère. Ah oui, c'est la salle. C'est la salle du trône. Attends, on va aller voir. Enfin, salle du trône, non. Il n'y a pas de. C'est quoi? Alors, il y a un escalier géant. Attends, juste voir d'où ça vient ça. Donc là, t'es où là, de base? Quand t'es ici? Quand t'arrives là, t'arrives de où? Attends, de l'extérieur, ça donne quoi? Parce qu'en vrai, on voit rien d'ici. Donc là, t'as... ouais, en fait, c'est en... ouais, c'est cassé, on est d'accord. Hein. Je sais pas si t'as vu le Ghibli, le château dans le ciel. Parce que franchement, je trouve qu'il y a un air de... bah, de château dans le ciel un petit peu, tu vois, avec les ruines et tout, etc. Comme ça, c'est stylé. Bon, on va réatterrir ici, j'allais dire en douceur. Bon, on oublie le en douceur, on va réatterrir ici. Ah non, mais regarde, il y avait un chemin royal et tout. T'as vu, regarde, il y a un vrai accès, hein, c'est ça que j'essaie de dire, tu vois, il y a un vrai truc. Il y avait un vrai escalier qui te menait là, en mode, t'arrives ici. Donc là, tu partais du village. Ah, ça fait sens. Donc là, tu partais du village. C'est ouf à quel point, en fait, cette map, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on voit qu'il y a une histoire, en fait, tu vois. C'est pas une map qui a été construite au pif. On a vraiment l'impression qu'il y avait une ville ici, et qu'en fait, tout est en ruine, mais c'est trop stylé. Il y a une véritable histoire. Bon, du coup, on a une épée sharpness 4, on va en profiter un petit peu, ça trichote. Ah oui, c'est pas si fort que ça. Par rapport à certains items qu'on a dans les vidéos, tu sais, on a des items qui sont totalement OP. Bah, c'est pas si fort, c'est une épée sharpness 4 quand même, hein, en diamant. Après, c'est pas en netherite, certes, mais quand même. Alors là, on arrive ici. Je sais pas ce que c'était les potes. On dirait un marché, ouais, c'est clairement un marché. Hein. C'est des ruines de marché. Il y a de la terre. Ouais, bah, coup, la terre, ça nous sert pas mal, nous, apparemment. Et là, ok, un petit peu de bloc, etc. Donc, ouais, c'est clairement un marché. Il reste pas grand chose hein, de ce centre commercial. Il y a une table d'amélioration là-bas. C'est stylé quand même. On voit vraiment qu'il y a une histoire dans cette map. Je trouve ça vraiment ouf. Hein. C'est
le souci du détail est vraiment là. Et je trouve que ça donne un côté très vivant à la map, tu vois. Il y a des maps, des fois, bah, t'es là, tu joues, t'es en mode ouais, ok, d'accord. Oh, les fours rapides, on prend par contre. Mais là, il y a vraiment un côté où tu dis ah ouais, non, bah, c'est pas placé au hasard en fait. Et ça, c'est cool. On se rend pas compte à quel point c'est génial en vrai. Et là, je regardais si comme par hasard, il restait pas un petit peu de netherite, on sait jamais. Non, en vrai, j'y croyais pas, parce que netherite, je t'avoue, c'est quand même extrêmement rare. Mais et là, tu vois, on a vraiment des. Ouais, ouais, c'était un marché. Ouais. C'était un grand marché avec des villes en fait, mais oui. Là, on voit que c'était des immeubles, hein. Il devait y avoir une sacrée ville ici en fait, à une belle époque. Oh, c'est incroyable. Non, franchement, l'histoire de la map et tout, moi je trouve ça trop stylé. Là, il y a quoi? Waouh, ok. Donc, ouais, vraiment, on voit que tout a été cassé. Non, mais c'est clair, hein. C'est maintenant, il n'y a pas de doute là-dessus. Il est clair qu'il y avait une civilisation ici. C'est même très très clair. Et il s'est passé un truc, on sait pas quoi. Et maintenant, il n'y a plus personne. Enfin, tout a été cassé. Tu auras mangé les cookies. Mais ça se voit, ça se ressent dans la map. En tout cas, vraiment, ce que je trouve ouf aujourd'hui, c'est qu'on ressent vraiment ce côté où il y avait quelque chose, tu vois. Et on voit bien qu'il reste pas grand chose, tu vois. Il reste carrément des échafaudages et tout, tu vois. Il y a vraiment un air de bâtiment et tout. Et je trouve ça ouf. Vraiment, ce côté du détail, c'était pas obligatoire, tu vois. La map aurait été bien s'il n'y avait pas autant de détails, mais même. Tu vois, on est là, on a l'impression de dire, ah ouais, regarde, il y a des gens qui étaient là. Regarde, là, il y a encore des spawners et tout. Je trouve ça incroyable. Genre là, on est dans une maison. Là, regarde, on est carrément dans une maison. Là, il y a quoi par là? Et on ressent le fait que, ok, what? Ils ont essayé de fuir, c'est ça? Alors, je regarde un peu ce qu'il y a par là. Ouais, non, ça mène ici. Ah, ça remène au rail, ok. Donc, ouais, il y a un côté où vraiment, comme je te disais, bah, on a l'impression qu'il y a une histoire. Et je trouve ça ouf, franchement. Enfin, c'est pas l'impression, il y a une histoire, en fait. Faut dire, il y a l'impression, il y a une histoire. En fait. C'est ça qui est ouf. Ça n'est pas construit au hasard. Ça a dû prendre un temps fou à construire tout ça, par contre. Hein. Franchement, chapeau, hein. Alors, je regarde un peu, il y a des pistons. Il y a un peu tout. On repassera ici, hein, parce qu'en vrai, il y a des trucs qu'on n'a pas vu, bien évidemment. Là, on est dans le système de. Là, il y a carrément des quais en fait. Il y avait un système de pont et tout. Enfin, ouais, c'était. Waouh, quoi. Il y a quoi de l'autre côté? Ok, par là. Alors, de l'autre côté, il y avait les rails. Encore une fois, voilà, je me demande où les rails vont. Ah, les rails s'arrêtent là. Ah, ça, c'est marrant ça. Les rails s'arrêtent ici. Ok, et là, on a une autre zone. Ok, là, on a une autre zone encore. Waouh, attends, c'est pas la même zone. Et là, on avait clairement un système de. Oh là, il y a des spawners de gaz. Oh là, attends. Oh, waouh. On se calme. Attends, est-ce que c'est. Attends, mais. Ah, les élytras, c'est incontrôlable, les potes. Franchement, quand tu veux être précis, ça, c'est vraiment dommage. Il faudrait faire un truc qu'on puisse ralentir quoi. Parce qu'en fait, la seule façon de ralentir c'est vers ça. Tu vois. Et en vrai voilà, là je suis trop bas. Bah c'est bon, j'ai réussi à atterrir. Bon, j'ai un arc au bord de la mort. On va jouer avec ça parce que c'est pas possible sinon. Allez. Faut casser ces trucs là. Ok, on va casser les spawners. Enfin, en tout cas, le plus de spawners possible. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur la pancarte? Puzzle de saut. D'accord. Donc il y a des sauts qui sont faisables, d'autres non, c'est ça l'idée. Après tu me diras que les élytras, tout est presque faisable, j'ai envie de dire. Il y a énormément de spawners. Est-ce qu'il y a un coffre? Oui, il y a un coffre les potes. Il y a un coffre. On dirait un petit peu un donjon. Alors, ok. Alors, par contre, c'est vrai qu'il y a des bonheurs à Blaze. Ah, ouais, elle rigole absolument pas. Non, lui, il a un arc. Non, ok. Je sais pas, il avait un arc enchant. Peut-être punch. Hein. Si c'était punch, c'est une galère. Non, le Blaze. Alors, attends, on va essayer si le jeu veut bien. Non, mais c'est ultra pas précis. Franchement, faut faire un effort là-dessus. Hein. Vraiment, c'est pas possible. C'est un truc qui doit être volé, mais en fait, pas du tout, quoi. Enfin, alors, bon, il y a un max de Blaze. On va juste rush le coffre vu qu'on y est. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un bouquin punch 2. C'est tout? Un feu de camp de la TNT? Ah, dis donc. Franchement, comparé au nombre de stacks qu'il faut traverser pour arriver là, je suis pas trop convaincu. Hein. Allez, meurs, toi. Allez, meurs. Ok, c'est bon. Alors, oh, j'avais jamais eu ce trophée. Je crois que c'est le Blaze qui nous a aidé à tuer le Ghast. Donc, ça nous a mis le trophée. C'est stylé, ça. J'avais jamais eu ça. Alors, les vignes, ça nous arrête pas. Hein. On est d'accord. J'essaie juste de régénérer aussi au passage parce qu'en vrai, mine de rien. Ok, là on est pas mal. En fait, faut pas. Une fois que t'es là, faut pas redescendre. Mais c'est le problème. C'est là qu'est tout le problème en fait. C'est ne pas redescendre, c'est compliqué. Ok, au moins j'ai cassé les spawners. Au moins comme ça, on sera tranquille pour un petit moment. Ah non, mais là les blazes c'est quelque chose. Hein. C'est un délire. Hein. Alors, on va se mettre par là. Qu'est-ce qu'il y a pas ici? C'est quoi? C'est la piscine municipale ici ou? Je pense pas. Hein. Je ne pense pas que c'était la piscine municipale. Mais on peut poser la question pour le fun en vrai. Oh, salut. Qu'est-ce que c'est que ça? Spawner à. Blaze encore. Non, attends, à squelette. Ouais. Je regardais, c'était pas un spawner à poulet. Vu qu'il y avait un poulet, je me suis dit peut-être qu'il y avait un spawner à poulet. Mais je vois pas ce qu'un spawner à poulet ferait par ici. Mais bon, on sait jamais, hein, tu sais quoi, des fois. Des fois, dans les maps, écoute, il y a des trucs qui se passent. On est en mode ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave, c'est drôle. Alors, en termes de spawner, on est comment? Alors, oh, j'ai géré mon atterrissage là. Non, non, j'aurais pas dû sauter. Ok, j'ai compris. Là, il y a une belle zone d'atterrissage. Là, il y a une piste d'atterrissage. C'est là qu'on va atterrir maintenant, les potes. Hein, je le dis. C'est dit. Alors, les Blaze là, vous pouvez arrêter 5 secondes. Voilà, on est au boulot, nous, hein. On n'est pas là pour rigoler. On va esquiver parce que là, c'est pas possible. J'avoue, j'aimerais bien casser ce spawner là, mais je sais pas si on peut le casser. Ça va être chaud, hein. Pousse-toi. Je l'ai. Je l'ai eu. Attends, il faut qu'on s'éteigne. Vite. Ok, j'ai eu le spawner. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, on est en fer. Et comme j'ai pas mon plastron, bah, mine de rien, et on n'est pas tant protégé que ça, en fait. Ah, par contre,
descendent, ils sont descendus, ok. Attends, mais l'eau, normalement, ils peuvent pas aller dans l'eau, quoi, enfin... Logiquement. Ah, ils meurent dans l'eau. Oh là là, ils sont pas malins du tout. En fait, ils ont voulu nous suivre, et ils sont morts, voilà. Voilà, il faut réfléchir, hein. Alors, il y a une belle piste d'atterrissage, là, tu vois, là, ici, là... J'ai remarqué ici dans la zone, là il y a une ligne, on peut atterrir. Alors, est-ce que j'ai réussi à avoir le spawner? Parce que j'ai dit que je l'avais eu tout à l'heure, mais je suis pas certain en fait. Ouais, je l'ai cassé. Je crois. Là, il reste un spawner là. Vite, vite. On a porté, oui. Ah, voilà. Bon, alors, on peut retourner voir le coffre. Tout à l'heure, on a rush le coffre en mode waouh, qu'est-ce qui se passe? Et, mais il me semble qu'il était pas ouf ce coffre. Hein. Il y avait de la TNT, des outils en or. Tu vois, je t'avais dit que l'or était important aujourd'hui. En fait, quand il y a rien que je veux, les échelles, on s'en fiche. Enfin, il y a rien de particulier là qui m'intéresse hein, ici. En tout cas, on a sécurisé la zone, on a eu le portail. Ça, j'en suis très content. Je trouve qu'on a bien géré la zone. Hein. Là, par contre, ça, c'est quoi comme ça? Non, mais frérot. Alors, c'est quoi? Squelette, ok. Il n'y a pas beaucoup de diamants, j'ai remarqué, sur la surface de la zone. Et là, ça spawn pas. Pourquoi ça spawn pas? Ah, voilà. Je me disais, c'est pas possible. Allez, salut. Hein. Je sécurise un petit peu. Bon, je sais pas trop pourquoi je sécurise, parce qu'on n'ira pas tous les jours là. Mais bon. En vrai, c'est là. Faut casser les spawners. Hein. Par contre, comment on est censé grimper là? Non, mais ça marche pas là. Ton idée, elle marche pas, frérot. Enfin, bon, attends, on va redécoller. C'est pas grave. Oh, il y a un spawner. Ghast ici. Ah, salut. Salut. Non, il est plus haut que prévu. Alors, casse ça. Ok, salut. Enfin, on peut jouer à l'arc correctement. Voilà, t'es mort. Oh, mais ils ont pas beaucoup de vie en fait. Un tir d'arc, il est mort. Je pensais plus. Bon, bah écoute. On peut aller voir là-haut. Attends, on peut. Ah, merci. Ah, dis donc, c'était pas facile. On a bien sécurisé, je trouve. On a cassé tous les spawners. Ah oui, c'est pas éclairé, alors ça va respawn. Mais au moins, globalement, d'une manière générale, on peut se le dire. Et là, en dessous, il y a quoi? Là, on est presque tout en bas de la sphère, on est d'accord. Ouais, et là, on. Ah, attends, mais il y a un truc en dessous de la sphère. Il y a carrément un lac en dessous de la sphère. Non, mais attends, c'est trop stylé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On est tout en haut. C'est trop bien, hein, franchement. Allez hop, hop là, hop là, hop là, hop là. Oh là là, magnifique atterrissage du joueur français qui est maîtrisé, bien sûr. Meurs. Une seconde de plus, on dormait. Hein. Allez, on dodo. Oh dodo. C'est bon. Enfin, voilà les potes, c'était tout simplement survivre sur une sphère géante. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, je t'invite à t'abonner et activer la cloche. Comme ça, tu ne manqueras plus jamais une vidéo à venir. Abonne-toi et active la cloche, c'est très important. Très très important, je tiens à te remercier si t'es vraiment arrivé jusqu'à la fin et que tu n'as pas manqué une seule seconde de cette vidéo géniale. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire que t'es bien arrivé jusqu'à la fin. Ça me fait très plaisir et ça montre que t'es un vrai. Très très important, je t'invite à regarder une autre de mes vidéos qui s'affiche maintenant à l'écran. Tu as deux de mes vidéos à l'écran. Clique sur une d'entre elles, comme ça on reste ensemble. On se retrouve directement dans une autre de mes vidéos. À tout de suite.